encore en main, c'est l'appareil de mon frère. Woofie, tu vas attraper le bâton? Pour faire de bonnes photos de lion, il faut t'entraîner. Ouais, Woofie, mais ça manque de fauve ici. Fais le lion, Woofie. Si tu ne lui montres pas, il ne peut pas savoir comment il faut faire. Regarde, Woofie, fais comme ça. T'as pas rugi assez fort, Thomas. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Te faire passer pour un fauve, toi qui ne veux que des caresses. En route, les enfants! Descends, Woofie. Si les lions te voient, ils vont croire qu'on leur a amené un casse-croûte. Wow, il y a des chips au fromage. T'as vu? Il y en a aussi au bacon. Maman, on a faim. Un peu de patience, ce n'est pas encore l'heure. Vous voulez des cookies? C'est moi qui les ai faits. Oh ouais, c'est sympa, en plus ils sont trop bons les tiens. T'es super, Emma. Ils sont vraiment bizarres, ces cookies. Avec quoi tu les as fait, Emma? Moi, je les trouve plutôt bons. Oh, toi, tu mangerais n'importe quoi. Oh, c'est affreux. J'ai mis du sel à la place du sucre. On va commencer par le circuit de la plaine africaine. On ferme les fenêtres et on verrouille les portes, d'accord? Oui, maman. Regardez leurs yeux, ils sont presque humains. Tu crois qu'ils aimeraient les cookies? Mais non, le singe, ça aime les cacahuètes. Même si on en avait, on ne leur en donnerait pas. Pourquoi? Moi, ils me font pas peur. Ce n'est pas la question d'avoir peur ou pas, c'est le règlement du parc. Tous, c'est nul. Comment on les réveille? Ne réagissent pas. Il faut trouver quelque chose pour les attirer. J'ai une idée. C'est quoi ton idée? Attends, tu vas voir. Venez, venez les lions. Le bon lion, miam miam. Petit petit. Lucas, referme cette fenêtre tout de suite. Et hop. Oh, j'ai peur. Restez calme. Heureusement que le gardien est arrivé. Au zoo, tu ne dois jamais donner à manger aux animaux, car cela peut être très dangereux. Il y a des spécialistes pour ça. Pas pour longtemps, Lucas. Juste le temps d'acheter une cabane à outils et on rentre. Bon, j'y vais. Ne vous éloignez pas. Je déteste faire des courses. Il n'y a rien de plus ennuyeux. On n'a qu'à jouer à un jeu pour faire passer le temps. Quel jeu? T'as vu où on est? On pourrait jouer à cache-cache. Il y a plein de cachettes ici. Mais c'est nul. C'est plus de notre âge. Regardez, des nains de jardin. Oh, la tête. Oh, ils sont pas si moches. Tu te prends pour Blanche-Neige ou quoi? Si on s'amusait à y jouer. On dirait que je suis Blanche-Neige et Célestin et vous, vous feriez les nains. Pas d'accord. Si on fait les nains, tu les fais avec nous, Emma. Oui, et c'est Célestin qui fera Blanche-Neige, puisqu'il est tout blanc. Pas de problème. Moi, je peux tout jouer. C'est à qui de sortir les poubelles aujourd'hui? C'est un toi. Oh, non, c'est tout le temps moi qui les sors les poubelles. Au secours! Je suis en danger! T'as l'air malin avec une serpillière sur la tête! Mais enfin, c'est pour ressembler à Blanche-Neige! Je n'ai pas pu trouver mieux! Je suis la princesse Blanche-Neige et la reine me veut du mal! Aidez-moi! Pas de problème, princesse! Nous vous protégerons! Nous avons appris le kung-fu! Ah non, je ne veux pas d'elle chez nous! Il va falloir la nourrir et on n'a plus d'argent à la banque! Oh mince! J'ai cassé le nain! Ton père va pas être content! Ouais, il va falloir qu'il le paie maintenant. Oh non, j'ai vraiment pas de chance. Ça n'a rien à voir avec la chance. Tu as simplement été maladroit, c'est tout.
On n'a qu'à le cacher quelque part, ni vu ni connu. Oh, ce ne serait pas honnête. Emma a tout à fait raison. Peut-être, mais c'est pas elle qui va se faire passer un savon par mon père. Qu'est-ce que tu fais, Lucas? Je cherche une cachette. J'ai trouvé. Je vais cacher les morceaux derrière ces grands pots de fleurs. Lucas, arrête. Il serait beaucoup plus simple de tout dire à ton père. Laisse-moi tranquille, Emma. Oh zut, les pots sont trop près du mur. Lucas, non, tu vas tout faire tomber. Oh non, j'ai tout cassé. À cause de toi, on aurait pu être blessés. Dans ce genre de magasin, il y a beaucoup d'objets lourds entassés les uns sur les autres ou alors empilés sur des étagères. Par conséquent, il faut toujours être vigilant et surtout ne toucher à rien. Les risques d'accident sont partout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je crois que j'ai fait une grosse bêtise, papa. Oh. Sois très prudent dans les magasins de bricolage et ne touche à rien. Tu éviteras ainsi les accidents. Vous allez faire quelques roulades. Et hop! À vous, les enfants! Toujours en train de faire l'intéressant, hein, Victor? Bon, terminé. Allez vous changer. Départ pour l'école dans 20 minutes. Ils sont vraiment nuls de s'attacher. C'est des trouillards, ceux qui s'attachent. Ne dis pas n'importe quoi, Victor. Il est très important de bien s'attacher. Cela empêche les chutes. Célestin a raison. En fait, tu dis ça pour te rendre intéressant. Oui, tu parles beaucoup pour ne rien dire. Il reste encore 10 minutes avant que vous ne repartiez à l'école. Et si on faisait une partie de basket, vous trois contre moi, sur un seul panneau? Ça marche. Et moi, je te dis que c'est facile de grimper sans être attaché. Il y a des prises partout pour les pieds et les mains. Je me demande pourquoi je t'écoute. À la télé, j'ai vu des gens escalader des immeubles sans rien. Alors un mur comme celui-là, ça doit être super simple. Eh ben, puisque c'est si simple, t'as qu'à le faire. Pas de problème, mais là, j'ai pas ma tenue de sport. La prochaine fois... Tu te dégonfles. Pas du tout. Si, tu te dégonfles. Allez, vas-y, Thomas, fais une passe. Oh, oh, c'est le chemin. Et 2 points de plus, 8 à 0. Ok, je veux bien grimper si toi aussi tu grimpes. On va faire la course, le premier arrivé en haut. Pas d'accord, c'est ton idée, c'est toi qui grimpes. Trouillard. Moi, un trouillard? J'ai peur de rien. Alors prouve-le, fais la course avec moi. D'accord, mais si je gagne, tu me payes une glace. Et si je gagne, c'est toi qui m'en payes une. D'accord, à toi. 1, 2, 3. Eh ben quoi? Oh non! Les prises sont trop écartées! C'est nul, Victor! Victor et Lucas, vous êtes fous! Ce mur n'est pas adapté aux enfants de votre âge! Les prises sont trop écartées! Victor se retrouve bloqué, ça va être pareil pour toi, Lucas! Victor, c'est toi le moins haut! Redescends très doucement en empruntant le même chemin qu'en montant! Lucas, attrape cette corde! J'ai eu la peur de ma vie. Il existe pourtant des règles très strictes de sécurité pour l'escalade. L'escalade ne doit pas être pratiquée par des enfants seuls. Il faut être accompagné d'un moniteur afin de s'arnacher correctement et d'emprunter les voies sécurisées du mur, celles adaptées à la taille et à l'âge des enfants.